Bienvenue dans mon atelier, donc l'atelier Escabelle, qui est au Vésinet, le centre-ville du Vésinet, où je suis et que j'exerce le métier de tapissier. Je vais restaurer vos fauteuils de façon traditionnelle ou contemporaine et je vais habiller votre intérieur de manière à ce que vous puissiez avoir un intérieur qui vous correspond et qui est vraiment à votre image. Donc on va façonner des rideaux, on va faire les têtes de lit, on va faire les dessus de lit, etc. En règle générale, je me déplace chez le client pour déjà pouvoir lui faire un devis. Ensuite, on procède après à différentes étapes qui vont être, moi je vais travailler sur le fauteuil, on va choisir le tissu ensemble jusqu'à la livraison. Et pour les rideaux, ça va vraiment aller de la prise des côtes. La confection, alors là je vais travailler avec une tapissière qui va faire des rideaux qui seront entièrement faits main, donc du très beau travail. Autant moi je vais travailler les coussins de bergère, les coussins, ce genre de choses. Dès que ça passe sur les rideaux, les stores, les dessus de lit, je travaille en collaboration avec elle. Alors, on travaille aussi avec des ébénistes, hein, donc on a plusieurs corps de métier qui allons travailler ensemble. Donc du début à la fin, on accompagne le client. Pour la restauration d'un fauteuil, on va travailler de deux façons différentes, ou de façon traditionnelle ou de façon contemporaine. Alors la façon traditionnelle, on va travailler avec de la sangle de jute, on va faire ensuite un guindage. Un guindage, c'est-à-dire qu'il est constitué de ressorts sur lesquels on fait beaucoup de nœuds, puis on va mettre du crin végétal. Ensuite, on va faire tout un système de piquage qui va permettre petit à petit de former un bourrelet qui va assurer la solidité et la fermeté du fauteuil. Ensuite, nous allons faire une piqûre animale, donc on va aussi utiliser du crin animal qui est du crin de cheval qui va apporter le petit côté moelleux du siège, une toile blanche, puis une ouate et enfin le tissu et sa finition. La façon contemporaine, c'est un peu différent. On va travailler avec des sangles élastiques et on va travailler avec de la mousse. Alors, on adapte en fonction de ce que veut le client et du fauteuil. Au niveau des tissus, je travaille avec les éditeurs de tissus d'ameublement. Donc je vais travailler avec Osborne & Little, avec Zimmer & Roth, avec Nobilis, Jab, Casal, Camango. C'est des grands noms, c'est des tissus souvent d'exception. On a toutes les matières, alors évidemment on veille à, lorsque c'est un fauteuil, à vraiment conseiller un tissu qui est adapté au fauteuil et à l'utilisation qu'on va en faire. Si vous voulez faire restaurer vos fauteuils, alors de plusieurs façons, vous venez me rencontrer à l'atelier, donc de préférence le matin c'est sans rendez-vous, ou alors me téléphoner, on prend rendez-vous et je me déplace chez vous.